Yop, tout le monde, si vous lancez cette petite vidéo. Bon, là, je vais parler trop fort parce qu'il y a des gens. Je suis au musée. Ludwigsnes. Pas trop parler hein, comme je vous ai dit. Je trouve un lieu où il n'y a pas beaucoup de gens. Je parlerai un peu plus. Genre là il y a pas moins de gens donc je peux parler un peu plus. Regardez. Filé même un livre de recettes des films de l'outil, donc c'est plutôt saoul. Il y a le petit billet 6 euros l'entrée. Oh, il y a des films là, c'est en allemand. Là, du coup, si je veux écouter, il y a des petites languettes là, enfin des trucs ou des casseroles. Tous ces films, donc, je suis arrivé à Uber encore une fois. Je crois que c'est des vacances, je vais passer ma vie dans des Uber. C'est grave. Ça c'est toutes les pierres utilisées dans ce film du coup. Je sais pas du tout pourquoi je suis dans le musée de Ludwigsnes moi. Oh, c'est quoi ça? Ils avaient fait beaucoup de photos et tout hein, par rapport à ces films. Cette scène, hein, pour ceux qui s'en souviennent, quand ils tombent dans le bain vert là. C'est encore en allemand? Ah, c'est sous-titré en... Non, en anglais, en allemand. J'ai un Ludwigsnes, c'est aussi le texte d'obtention que j'ai pas envie de lire, frère. Captable, je filme très mal les potes. Oh. Il est où le projecteur? Ah bah il est juste là, je suis con. Le projecteur il est là-haut. Sympa hein. Oh, c'est trop stylé par contre, le petit banc. Petite allée juste pour aller là-bas. Franchement, c'est stylé là. J'ai regardé sur internet le musée de Ludwigsnes. Il n'y en a que un ici, apparemment. Enfin, dans cette ville, quoi. Donc, valable un an à compter de la date d'achat. Quoi? Moi, j'attends, je viens de voir. Il est valable un an le machin. Si j'aurais voulu aller un autre jour, j'aurais pu, quoi. Je suis en mode non, je vais pas prendre mon téléphone. On peut l'utiliser. Oh, attends, je vais le tester. Je vais poser ça là vite fait. Allô? Oh, y a vraiment un son dans le truc. Ça marche comment du coup? Oh, mais t'ajoutes plus juste sur les boutons quoi. Ok. T'imagines, tu peux appeler les trucs. Mais tu peux vraiment appeler? Composer le 46. Ah, je vais pas tenter, mais...
rose, elle est magnifique. Magnifique, putain. J'aime bien les fleurs, hein. Je vous montre le magnifique pont qu'ils ont fait là. Enfin, c'est pas un pont, mais genre représentation de du truc. Oula, ça bug un peu là. Wow, toutes les photos qu'ils ont mis, frère. Là, c'est le coach sportif, le gars. Il entraîne des gars à faire du vélo. Non, mais il y a des films, je les ai pas tous vus de Louis de Funès, mais bon. Pour ceux qui sont fans de ce monsieur. J'espère qu'il fait un peu. Ça, c'est quoi? Ok. Il est écrit là, mais. Le film. Oh, Coluche. Ceux qui connaissent. En fait, le musée, c'est juste. Juste des tableaux de ses films, c'est un peu ses accessoires. La meilleure scène du monde. Bon, pas imitation horrible. Mais... Oh, mais du coup, ils ont mis à la couleur du monsieur. Mais, rouge et jaune, le mur. Magnifique. Un petit truc où il met la soupe. Oh, c'est stylé. J'aime bien ça, le musée. J'aime bien. Là, il y a un petit Louis de Funès, César d'honneur en hommage à sa carrière. Putain, c'est stylé le petit Oscar là. Bon, ça ressemble à rien, mais. Là, c'est déjà fini. Là, c'est déjà la sortie, genre. Super. Ouais, musique, en 10 minutes, tu l'as fait quoi? La visite du musée. Là, c'est déjà la porte de fin, quoi. Putain, chaud. Bon, le musée, en 10 minutes, tu l'as fini, quoi. Est-ce que je regarderais pas un peu les recettes qu'ils m'ont mis? Alors attends, on va se regarder un peu les recettes. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Souffler la pomme de terre. Oh, ils mettent les ingrédients et tout. Oh, stylé, hein. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se faire? Ah, mais du coup, c'est juste des feuilles à l'intérieur. Putain, ils auraient pu faire en mode livre, quoi. Œuf mimosa dans la satine. Petite recette. 4 œufs, 2 tranches de trucs, maillot. Ok. Salade of tomato, tomates du coup, tomatos. Interplanétaire soupe au chou. Appétissante. Oh, il faudra goûter hein, tout ça. Hein. Frère, ça, je rentre en Alsace, j'essaye de me faire tout ça. Hein. Bon. pas si fou. Qui a déjà tenté de faire les recettes des films de Louis de Funès? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça serait pas mal. Là, je monte pas ma tête aujourd'hui. Putain, j'ai trop envie de tenter un numéro, mais. De toute façon, c'est des trucs préenregistrés, non? Il y a écrit 23 secondes, 8 secondes. C'est des trucs pré-enregistrés, je pense. J'ai envie de tenter, mais. Au pire, je fais le 46-11, ça dure 8 secondes. Alors attends, on va essayer. Ok, c'est bien ce que je disais, c'est des trucs préenregistrés de scènes qui parlent dans le film, j'imagine. Ok, en vrai, stylé. C'est bien pensé hein, d'avoir mis un téléphone comme ça ou
où tu as des enregistrements définis et tu mets le numéro que tu, qui est marqué et t'écoutes tous les enregistrements quoi. C'est pas mal. Bon, comme je vous ai dit, je suis déjà à la fin, donc bon, c'est pas un truc ouf ouf quoi. Mais bon, c'est sympa quand même. Pour ceux qui sont fans de Louis de Funès, c'est à faire au moins une fois. Hein. Et bon, 10 minutes c'est plié quoi, donc après là je fais vite parce que j'ai envie de pas te déranger ou quoi. J'ai envie de filmer un peu. Après j'aurais pu m'arrêter plus attentivement sur toutes les photos, tu vois. Mais bon, je suis pas photophile frère, donc petite bouteille là. Ouais, du coup désolé pour l'intro, on n'entend rien mais. Bon, je vais bosser là-dessus en vrai. Parce que c'est pas si fou. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit musée. Moi je vous ai mal filmé hein, comme d'hab, mais bon, en même temps c'est pour vous donner envie de venir vous directement sur place pour mieux voir. Oh, les belles pièces d'or là. Pa, 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 pa. Bref, mettez le petit like, le petit commentaire, à me dire si vous êtes déjà venu à ce musée. Et puis voilà, moi je faisais ça dessus. Cet après-midi, ben, je sais pas quoi faire, je pense, je vais aller au port. Là, j'ai payé un Uber ce matin et je reste dehors jusqu'à ce soir, quoi. Jusqu'à avoir la fameuse fille que je suis venu voir. Et puis ce soir, je sais pas. Donc voilà, là, je vais essayer de me promener un peu dans la ville. Hein. Là, je suis près de la gare, pas loin du port. Et je suis déjà passé à côté avec le Uber, là. Oh, les bateaux qu'il y avait, mon pote. Pouf, incroyable. Peut-être que je referai une deuxième vidéo cet après-midi pour vous montrer un peu la mer et les bateaux et tout. Incroyable, mec. Bon, après, ceux qui sont de Saint-Tropez ou de Saint-Raphaël, ils connaissent déjà, mais. Enfin bon. Bref, je vous laisse là-dessus. Et puis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!